Aujourd'hui, dans la minute de Delphine, qui l'eût cru, l'eusses-tu cru ? C'est en 1909 que le peintre Tancrède Synnave réalise un portrait de sa femme intitulé « Études de femme ». Cette œuvre est un dépôt du Fonds national d'art contemporain de grand format qui représente une femme alanguie et souriante. L'intensité de la touche, les couleurs vives de Tancrède Synnave rappellent le fauvisme, mouvement artistique de 1903 à 1910. Je vous entends dire, mais quel est le rapport avec l'eusses-tu cru ? Eh bien, la palette du peintre, observez. Tancrède Synnave aime le bleu, il le décline en d'infinies nuances. C'est ainsi que, en 1911, l'artiste remporte un concours organisé par le fabricant de pâtes Cartier Millon, bientôt l'eusses-tu cru, avec une affiche représentant une boîte décorée d'un damier bleu clair et bleu foncé. La mère Michel et le père l'eusses-tu cru remercient Tancrède Synnave pour son esprit créatif. Ce petit voyage au cœur d'une œuvre permet aussi un détour par la chanson. Alors, pour observer cette œuvre de façon décalée, je vous propose de chanter « À la Miaou », interprété par Ray Ventura et son orchestre. À la Miaou, on fera les 400 coups. À la Miaou, tous les cœurs sont le musée vous remercie et vous dit à bientôt pour une autre anecdote sur les œuvres de sa collection.